Oui, et puis c'est un homme qui est... Vous savez, Donald Trump, c'est l'ancien patron d'une boîte familiale dans le secteur de l'immobilier. Souvenez-vous, il menaçait déjà le maire de New York il y a 35 ans. C'est dans son mode opératoire. Il ne connaît que le rapport de force. Il ne connaît que le rapport de force. Et je ne sais pas s'il connaît la notion de règle de droit. Vous savez, quand on dirige une entreprise familiale, on est le propre patron, on érige ses propres règles, alors que lorsqu'on dirige une entreprise lambda, ben, on est contraint parfois. Lui, il ne connaît pas ça. Je pense que psychologiquement, il ne le comprend pas et il imagine que tout est possible. Donc, en fait, il va très loin et si vraiment il se fait taper les doigts, il dit, bon, j'aurais... Et là, il a eu véritablement peur parce que la justice, en revanche, n'hésite pas à envoyer en prison et vous savez, rappelez-vous qu'en matière pénale aux États-Unis, on cumule les peines. Hein. Donc, vous risquez assez rapidement de vous retrouver avec plusieurs dizaines d'années de prison, même si vous avez que 74 ans.